Good morning, allez, Iden, et ce sera aujourd'hui le Nishmat, François Roger Ben Hana, Janine Ruth Ben Fortune, Mazel Fitna, Claude Chombo Ben Shalom, et Ishaya Ben Minda, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions à Sekhet Brachot, Perek, Aleph, Mishnah, Dalet, Bashachar, Mevrech, Shtaim Lefanea, Ve Achat Leacharea, Uvaereb, Shtaim Lefanea, Ushtaim Leacharea, Achat Aruka, Ve Achat Ketzara. Mais comme j'aimerais l'arich, nous rachèlons les Katser, nous rachèlons les Arich, l'Achatom, nous rachèlons les Lachatom. On s'intéresse dans notre Mishnah aux brachot que l'on dit dans le Kriyat Shema. C'est-à-dire, dans la Tfila, le Seder du matin, a priori d'ailleurs, il faut lire le Shema comme ça, de jour et de nuit. Lire le Shema avec les brachot que Chachamim ont instauré. Soit la bracha, une sur les Meorot, sur le fait que Hashem a créé le soleil et la lune et la lune. Le jour de nuit, on dit cette vente, Yosef, Or, Ouvre, Rocher, ce genre d'accord, et on parle là-bas de du Massé Bereshit, Kachem, il est Mekhadesh tous les jours. La nuit, Asher Mitvaro, Ma'arrive, arrive, Kachem, il a fait coucher le soleil aussi. Il a fait coucher, il a fait que la nuit tombe. Ça, c'est la première bracha. Donc, c'est Shtaim Lefana, une sur les Meorot et une sur la Avat Hashem et Avat Torah. Avat Olam Avatanu, Hashem Lokenu. On reconnaît Hachem qui nous a donné la Torah, qui nous a donné le mérite de se rapporter, d'être s'approcher de lui, d'être miyached, d'unifier son nom et de le sanctifier comme ça. Donc c'est deux brachot qu'il faut dire. Une, le meorot, et une sur Avat, Yotseror ve'ahava. D'accord? C'est deux qu'il faut dire. Le soir comme le matin, il y a un parallèle entre les deux. Vous avez remarqué que c'est les mêmes. Une sur le meorot, et une sur le meorot, c'est-à-dire les astres, et une en rapport avec la Avat Hashem qui nous a donné. Ça, c'est pour avant le schéma. Après, tu lis le schéma. Et après, tu dois encore dire une autre bracha. Ou Ba'erev, et le soir. Alors, Ba'shachar, le matin, tu dis deux avant, des Achat Lachra. Et après, tu dis juste une seule, tu dis Gal Israël, et tu commences directement Hashem Sepatay Tivka. Par contre, ou Ba'erev, tu dois dire Shtaim Lefanea, Veshtaim Lacharia. Deux avant et deux après. Comme on a dit Meorot et Ava. Et après, tu fais Gal Israël, comme le matin en parallèle. Vemuna Kolzot, c'est fini, bon, Hachem Gal Israël. Le soir, tu rajoutes encore une nouvelle bracha qui est Ashkivenu, où tu demandes à Hachem qu'il nous fasse, qu'on se couche et qu'il nous protège durant la nuit. D'accord? Donc ça fait au total 7 brachot, Sheva Bayom Hilalticha. D'accord? 7 brachot, comme la Kala, avec les Sheva brachot. On fait aussi, on fait les Sheva brachot pour le Kriyat Shema tous les jours. D'accord? On continue. Achat Aruka Vachat Ksa. Quand je t'ai dit de faire deux brachot, tu dois faire une qui est Aruka et une qui est Ksa. Vous avez remarqué, peut-être une petite introduction très rapidement. On a trois types de brachot. Il y a des brachot qu'on dit très courtes. Quand on mange un fruit, ça s'appelle Baruch Ata Hashem, Borei Peri Haetz, on a fini. Shehakol Nihya Midbaro. Très courte. Par contre, on a des brachot où il faut rajouter une Khatima. Par exemple, à la Michia. Baruch Ata Hashem, Baruch Ata Hashem, et tu dis une autre. Ça, c'est une bracha qui est Im Khatima. Maintenant, il y a des brachot où il faut les lire sans Khatima, mais qu'il faut un texte auparavant, comme par exemple, toute la Amida ou bien Ahavat Olam. Alors, la Mishnah me dit, sache que tu dois faire Achat Aruka, Achat Ksara. Les brachot du Kriyat Shema, tu fais une qui est longue et une qui est courte, ça veut dire que. Tu commences Yotzer Ameorot, tu commences Borot Hashem, Yotzer Or, Rechocher, ta, Borot Hashem, Yotzer Ameorot, et t'as fini une bracha. Avec une Aruka qui était commencée par Baruch et qui se finissait par Baruch. Et après la deuxième Avaraba, c'est une Avat Olam ou Avaraba, c'est une bracha Ktsara. C'est-à-dire que quoi? Elle commence pas avec Borot Hashem, Avat Olam, Avatan. Non, on commence directement Avat Olam. Réellement, c'est parce qu'elle est Smoucha Nechaverta, il faut le dire les deux en même temps sans s'interrompre. Donc le Baruch de la première bracha, il se rattache à la deuxième, mais ça on va pas ouvrir le sujet, c'est un long débat pour expliquer, donc, pour expliquer comment les brachot se présentent. Pourquoi il y a des brachot qu'on enchaîne comme ça, hein, et des... D'accord? Il y a des brachot qu'on appelle qui sont Smoucha l'Chaverta, ou le Baruch de la bracha précédente qui se rattache à elle. Donc on ne t'a pas demandé de recommencer par Baruch. Donc on a, je reprends. La première c'est Aruka parce qu'elle commence avec Baruch, elle finit avec Baruch. Avat Olam, elle est maintenant Ktara parce qu'elle se finit, elle commence avec un texte, elle se finit juste avec Baruch. Et la Mishnah me dit attention. Makom Shamro le Arich et Norachel Katser. Quand je t'ai dit de faire une longue bracha, de commencer avec Baruch, tu n'as pas le droit d'être Mekatser. Tu l'as dit longue, avec Baruch Ata Hashem, Vechoule. Et les Katser et Norachel Arich. Lorsque j'ai dit de ne pas ouvrir avec Baruch, ne commence pas toi, ne te permets pas toi d'ouvrir avec longue en commençant avec Baruch. Et de même aussi, il y a des brachot, on a dit qu'il faut faire une Khatima. La Khatom,
et nous rachèche le lachtam. Si Chazal ont instauré de faire une bracha avec une khatima, ça veut dire de finir comme tu peux faire à la michia, bon, les fachats, c'est une marloquette. C'est pour ça qu'on dit Baruch Chaya Olamim. De selon les gersa du Gaon, il faut dire Baruch Ata Hashem Chaya Olamim, okay, pour vous donner une idée. Parce que là-bas, selon lui, il faut dire le Gaon de Vilna. Il faut dire, il faut une khatima, en tout cas. Donc, si on t'a dit de faire une khatima, de faire deux fois Baruch avec une khatima à la fin, et donc rachèche le lachtam. Et chez l'olachtom, quand je dis de faire une bracha courte, sans khatima, alors tu dois dire juste une bracha et non rachèche l'olachtom. Alors pendant que je vais être en train de commencer à vous raconter, il va prendre un fruit et dire Baruch HaTashem, que l'on parle de Boré Périaetz, mais Barak, on vient à sa vie, mais nanana, Baruch HaTashem, Boré Périaetz. Et t'as là-bas. On n'a pas ta parole de le faire parce que quand t'as dit de faire court, tu fais court. Quand t'as dit de faire une deuxième Baruch, tu fais ce qu'on t'a demandé de faire. Il ne faut pas changer les brachot, les khamim, mon instrument. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selam.